C'est ce qu'il se dit. On va nous envoyer garder une cargaison de carburant. Toujours en vie. Bien sûr que oui. Barnabas était prêt à retourner te sauver. Comme il l'a dit, c'est l'intention qui compte, non? De toute évidence. Viens, les autres nous attendent. Nous commencions à nous inquiéter. Oui, tous les gardes d'Athènes sont sur tes traces. Si Cléon pense que ça suffira à m'arrêter... Qu'est-ce que c'est que ça? Nous sommes en train d'élaborer un plan pour abattre Cléon. C'est à peine une ébauche. Beaucoup de discussions, mais très peu d'action. Tout paraît différent sans Périclès. Mais il nous inspire toujours, c'est cela qui nous réunit. Nous nous réunissions jadis pour oublier nos problèmes. Aujourd'hui, c'est pour les affronter. Et revenir avec vigueur à ce qui compte vraiment. Restaurer la gloire passée d'Athènes. Donc, vous voulez abattre Cléon? Dites-moi plus. Ce sera difficile. Sa mort troublerait l'ordre et aggraverait la situation d'Athènes. Il a raison. Commençons par ruiner sa réputation. Aristophane a apparemment une pièce de théâtre qui pourrait faire l'affaire. Une pièce? Mais c'est beaucoup plus que ça! Oh! Ne te mets donc pas dans un état pareil. Oublions la colère et faisons place à l'amour. C'est tellement plus agréable. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette pièce? Ton imitation de la brute orange en fera partie? Ah! Tu te moques, mais tu n'es pas loin. N'est-ce pas un peu risqué de le ridiculiser devant ses admirateurs? Je crois que cette pièce les fera changer d'avis. L'art est toujours risqué, mais ça devrait marcher. Ne restons pas les bras croisés. Cléon envoie un bateau à Mytilène pour massacrer les habitants. Le peuple fait confiance à Cléon. Il votera tout ce qu'il lui proposera. Cela ne veut pas dire que nous ne devons rien préparer. Il ne sera pas facile de renverser Cléon. Mais avec ton aide, ça devient possible.